Hello tout le monde, bienvenue dans la dixième vidéo de cette formation sur l'analyse de données avec Python. Dans les 9 précédentes vidéos, nous avons vu les bases de Python, les variables, les types de variables, les boucles, les conditions, les fonctions, les fichiers avec Python et l'orienté objet avec Python également. Cette base-là a été importante pour la suite de la formation. Nous allons maintenant voir NumPy, Panda, Matplotlib et Seaborn, afin de pouvoir faire des projets réels d'analyse de données, c'est-à-dire prendre des données, se poser des questions très très utiles et y répondre avec du code et des schémas. Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans les 10 prochaines vidéos. Alors, dans celle-ci, nous allons voir NumPy. NumPy, c'est quoi? NumPy, c'est Numerical Python et c'est la librairie de Python pour le calcul numérique. Python n'a pas de type natif pour manipuler des vecteurs et des matrices, par exemple. C'est-à-dire, nous, avec Python, on ne peut pas dire « Donne-moi l'élément qui est dans la colonne 5 et la ligne 3. » Ce n'est pas possible avec Python. Mais on a la librairie NumPy qui permet de le faire. Et NumPy fait partie de plusieurs projets scientifiques, notamment la NASA, par exemple. Et je vous montrerai tout de suite les projets dans lesquels on utilise NumPy et que vous connaissez peut-être déjà. Alors, NumPy, c'est la base de Panda. Panda, il est construit sur NumPy. Matplotlib également, et toutes ces librairies qu'on verra plus tard ont leur base en fait avec NumPy. Et NumPy, c'est très important en tant que data scientist, bien sûr. Donc cette formation, dans ces 2 prochaines vidéos, nous allons voir justement NumPy. Je vous invite à suivre attentivement. Et si vous ne comprenez pas quelques parties, je ferai référence surtout aux précédentes vidéos, parce que justement, les bases de Python sont très très importantes pour comprendre NumPy, Panda et la suite après. Donc voilà, n'hésitez pas à faire les exercices également pour valider la partie base de Python, parce qu'il y a un autre book en fait sur les exercices, sur les bases de Python. Donc je vous invite à le faire. Et voilà, c'est parti. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les notifs dès que les prochaines vidéos sortiront. Alors, comme d'habitude, on a déjà le notebook pour cette partie qui est déjà disponible. Alors, on a déjà vu tout ceci et désormais, on va voir ceci, puis la visualisation, puis les projets, comme je l'ai dit. Donc, comme d'habitude, le notebook est disponible. Par rapport à NumPy, on a 2 notebooks et voici les 2 notebooks. Donc, on va ouvrir le premier comme ceci, comme d'habitude, hein, Open in Colab. Et vous aurez accès en fait à tous les notebooks. Et vous pouvez cliquer sur celui-ci, qui est l'introduction au calcul numérique avec NumPy. Moi, je l'ai déjà ouvert et c'est ici. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, NumPy, Numerical Python, est utilisé beaucoup en machine learning, mais dans tout projet scientifique également. Et c'est la base de plusieurs autres projets. NumPy a été écrit en C, donc du coup, il est beaucoup plus rapide que Python. Python natif, en fait. Donc, NumPy, il est rapide. Et je vous montrerai, en fait, bon, voilà, j'ai dit ici qu'il a inspiré les librairies comme PyTorch et TensorFlow, bien sûr. Alors, je vous montre rapidement ici quelques, sur le site de NumPy, quelques projets sur lesquels NumPy, on a visualisé, en fait, la première image d'un trou noir. NumPy a été utilisé. Un truc relatif à la gravitation, analyse de données de ce sport-là, également analyse de l'estimation de la pause en utilisant le deep learning. Donc voilà, NumPy est utilisé un peu partout. Vous voyez du quantum computing pour les statistiques. Vous avez des librairies comme Panda, vous voyez Panda, StatModel, Seaborn. C'est des librairies qui sont basées sur NumPy en fait. Et voilà, NumPy c'est simplement ça. Il faudrait, c'est les mathématiques, c'est la science avec Python. Alors, pour importer NumPy, c'est import NumPy as np. Vous pouvez l'importer comme n'importe quoi, hein. Mais on a cette convention, pas écrite, mais une convention dans la communauté pour utiliser np comme diminutif de NumPy. Donc, import NumPy as np, j'exécute. Exécuter malgré tout. Alors, comme je disais au départ, NumPy peut nous permettre de travailler avec des tableaux, des vecteurs, des tableaux de dimensions 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Donc, du coup,
Nous allons voir déjà d'abord les bases. Alors, vous pouvez cliquer ici pour voir un peu le sommaire de ce qu'on verra. Voilà un peu. Donc, on va voir les bases déjà de NumPy. D'abord, comment créer un tableau avec NumPy. J'ai dit ici, voilà, Python ne supporte pas les types de données multidimensionnelles. NumPy le permet et nous allons créer d'abord. Voilà, et ça, c'est déjà un exemple de tableau NumPy. Là, on a un tableau avec deux lignes et trois colonnes. Vous voyez, deux lignes, trois colonnes. C'est un tableau de dimension 2 et on peut le créer avec NumPy. Et comment le créer? Apparemment, c'est... Allez, je vais le recréer ici pour qu'on puisse voir. Alors, pour le créer, on utilise np.array, la fonction array, et on met à l'intérieur une liste. Maintenant, on met une liste. Et puisque nous, on veut créer un tableau de deux dimensions, on met d'abord la première ligne qui est 1, 5, 9, virgule, une autre liste qui est, allez, 8, 9, 7, voilà. Donc ça, c'est un tableau NumPy. Donc c'est une liste de listes. Chaque ligne est une liste à l'intérieur. Donc voilà comment on crée un tableau NumPy. C'est npArray et à l'intérieur des parenthèses, on met une liste. Ça peut être une liste de listes. On verra tout ça tout à l'heure. Donc voilà ça, voilà ça. Je l'ai sauvegardé sur une data. J'exécute. Et donc du coup, j'ai dit quoi ici? En fait, là, j'ai dit que c'est un tableau de deux dimensions parce qu'on a des lignes et des colonnes. Donc si on fait data.ndim, on a la dimension, le nombre de dimensions. Donc j'exécute. Voilà, on a deux dimensions. C'est-à-dire, on a les lignes et les colonnes. Et ici, comme je disais tout à l'heure, on a deux lignes et trois colonnes. Ça peut se voir là directement. Deux lignes et trois colonnes. Donc du coup, ça, on peut l'avoir avec le shape de data. Data.shape nous donne la forme. 2, 3, pour dire deux lignes et trois colonnes. Alors, nous verrons bientôt comment calculer, comment savoir un peu ce 2, 3 là pour d'autres tableaux. Mais c'est très important de pouvoir dire ce tableau avec lequel je travaille à ce shape, cette forme. C'est très important de pouvoir connaître en fait le shape de son tableau NumPy. Et bien sûr, on a comme d'éléments à l'intérieur, on a 6 éléments. Et on peut le trouver facilement en faisant 2 fois 3, puisqu'on a 2 lignes et 3 colonnes. Et tout ça, on peut l'avoir avec data.size. Et on a 6. Donc là, on vient de voir 3 éléments. Bon, on vient de voir 4 choses. Comment créer un tableau NumPy avec npArray et une liste de listes, ou une liste simplement. Ndim, pour savoir le nombre de dimensions qu'on a. Et la dimension, c'est quoi? On a... Bon, voilà, un tableau, c'est deux dimensions, c'est tout. Si c'était sous forme de cube, on aurait dit trois dimensions. Alors, le shape, deux, trois, deux lignes, trois colonnes, le size, 6, c'est très bien. Donc, nous allons essayer de comprendre un peu plus en profondeur tout cela et nous allons aller crescendo, ok? Crescendo. Donc, d'abord, je vais créer un tableau NumPy avec, j'ai dit, il faut qu'on ait une liste, n'est-ce pas? Et je vais créer un tableau NumPy avec un seul élément à l'intérieur, pas de liste, pas une liste de listes. Donc vous voyez ici, je vais mettre ceci là, ceci voilà, je fais comme ça pour que vous voyez que c'est une liste et on a uniquement un seul élément à l'intérieur. Donc data1, j'exécute. Donc alors c'est quoi la dimension de cette liste? C'est quoi la dimension de ce tableau NumPy en fait? Alors ne soyez pas étonnés, c'est 1. C'est tout à fait normal. On a un élément, on n'a pas plusieurs dimensions. C'est comme si c'était un point, pas un point, plutôt un élément sur une ligne, c'est une seule dimension. Alors, c'est quoi son shape? Alors, ici, on a un seul élément sur une seule dimension, vous voyez, donc c'est 1. Et c'est quoi le size? On a un size de 1, parce qu'on a un seul élément à l'intérieur. Donc, là, on a une liste. Et on a un seul élément à l'intérieur. Donc la dimension, c'est 1. Le shape, c'est 1, rien d'autre à côté parce qu'on a une seule dimension. Et le data 1 size, c'est 1. Très bien. On va passer à une autre abstraction pour voir un peu comment les choses vont se passer. Donc ici, on va créer un autre tableau. Désormais, on ne va pas avoir un seul élément à l'intérieur, mais trois éléments à l'intérieur. Mais c'est toujours une seule liste. Ce n'est pas une liste de listes. OK? Donc, j'exécute ceci. Voilà. Et ici, prenez le temps de vous poser la question, qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat dans tout ceci?
c'est-à-dire le ending, le shape et le size. Alors, pour le size, on le sait déjà, on a trois éléments d'intérêt, c'est très simple à trouver. Mais combien de dimensions on a ici? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Alors, découvrons. C'est toujours une seule dimension. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sur un élément. C'est-à-dire, c'est comme si on a 3 points sur une seule ligne, en fait. C'est toujours une dimension. On n'a pas un repère orthonormé ou bien un repère sur 2 dimensions. Alors, combien d'éléments a-t-on sur cette dimension-là? Combien d'éléments a-t-on? On a une seule dimension et combien d'éléments a-t-on sur cette dimension? On a 3 éléments. Donc, le shape, ce sera quoi? Le shape, ce sera 3, rien d'autre. 3 et après, rien d'autre à côté. Donc là, vous voyez, on est allé crescendo. D'abord, on a créé un tableau qui est une liste d'un seul élément. Puis après, on a ajouté plusieurs autres éléments. On a toujours la dimension qui est égale à 1, le size qui est 3 et le shape, c'est 3 quelque chose. Très bien. Maintenant, allons une étape un peu plus évoluée. Désormais, on va avoir une liste de listes. C'est-à-dire que ce qu'on avait déjà à l'intérieur ici, on va maintenant les mettre dans une liste. Et ainsi, on se retrouve avec quoi? Avec une liste dans une liste. Et nous allons voir maintenant comment cela se présente. Donc, j'exécute. La dimension ici, c'est combien? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. La dimension, on exécute, on a 2. Alors, pourquoi on a 2? On a 2 ici parce que on considère que, en fait, en mettant tout ça entre dans une liste, en fait, c'est comme si on avait un tableau avec une seule ligne. Vous voyez un peu? Ce n'est plus une droite simplement, mais c'est devenu un tableau avec une seule ligne. Et donc, du coup, le size, bah, bien sûr, c'est le nombre d'éléments, ça c'est connu, c'est 3, ça n'a pas changé. Et ici, en fait, je dis quoi? C'est comme si on avait un tableau avec une seule ligne. Finalement, on peut dire que le nombre de dimensions, c'est le nombre de parenthèses, le nombre le nombre de listes ouvertes, ou bien, je ne sais pas, vous voyez les 1, 2 comme ceci. Mais bref, le shape ici, c'est quoi alors? C'est une ligne et 3 colonnes. Vous voyez, là, désormais, c'est vrai qu'il n'y a pas une autre ligne, mais il faut voir ça comme ça parce qu'on a une liste dans une liste, en fait. Donc, si j'exécute, si j'exécute ici, voilà, on a 1, 3. C'est parfait. On a 1, 3. Donc, j'espère que vous arrivez à comprendre. Vous voyez, ici, c'était 3, 3, parce que si on avait une seule dimension, et sur cette dimension-là, on avait seulement 3 éléments. Mais ici, on a 2 dimensions. D'abord, les lignes. Et combien de lignes a-t-on? On a une seule ligne. Et combien de colonnes? On a 3 colonnes. Donc, on a 1, 3. Bon, du coup, ici, vous pouvez remarquer qu'il y a une relation entre le size, la dimension et le shape. Alors, pour trouver le size, c'est 3 fois 1, c'est-à-dire la 3. Pour trouver la dimension, c'est le nombre d'éléments qu'on a dans le shape. Donc, c'est 2. OK? Donc, on va continuer sur cette lancée-là. Désormais, on va avoir 2 lignes et 3 colonnes. OK? Donc, je crée ça comme ceci. Donc, on a une liste de 2 listes. Et les listes à l'intérieur, c'est quoi? C'est 2 lignes. Et j'exécute. Là, on a un tableau de 2 dimensions. 2 lignes, 3 colonnes, donc 6 éléments. Donc du coup, j'exécute ending, 2, shape, on aura quoi? 2, 3. Et le size, c'est quoi? Le size, c'est 6. Donc j'espère que vous continuez à suivre. Donc on va faire un petit exercice rapide. Quel est le shape, le size et le ending de ce tableau-là que vous voyez? Alors, vous pouvez poser la vidéo et trouver la solution. Je vous laisse 2 secondes, 1, 2, et on y va. Alors, ici, on a une liste, on a des listes dans une liste, très bien. On a 3 listes. D'abord, on a 2 dimensions, puisque c'est un tableau. On a 3 lignes et 4 colonnes. Donc, le size, c'est 3 fois 4, ça fait 12. Très bien. Le shape, c'est quoi? On a dit déjà qu'on avait 3 lignes et 4 colonnes. C'est-à-dire, on a combien de listes? 3 listes. Dans chaque liste, on a combien d'éléments? 4 éléments. Donc, ça fait 3 lignes, 4 colonnes. Donc, du coup, on aura 3, 4. Exactement ça. Et la dimension, c'est quoi? C'est 2.
puisqu'on a les X et les Y, ou bien les lignes et les colonnes, et le nombre d'éléments dans shape, c'est quoi? C'est 2. Donc, du coup, n dim, c'est égal à 2. Voilà. Voilà. Donc, là, ça, c'est un exercice qu'il faut que vous fassiez pour être à l'aise avec ça. C'est-à-dire, je vois un tableau non pas, je peux dire que ça, c'est un tableau de dimension 2. Ça, c'est le shape, c'est 3, 4, c'est 5, 6. Et le size, c'est ton. C'est très, très important à savoir faire. Alors, à quoi peut ressembler un tableau de 3 dimensions? Ça, c'est une question que j'ai déjà eue très souvent. Justement, je vous disais au départ, ou bien dans les précédentes vidéos, que des personnes ont déjà suivi en fait cette formation-là en format bootcamp. Et quand on est arrivé à ce niveau, ils m'ont posé la question, à quoi peut ressembler un tableau de 3 dimensions? Donc, c'est-à-dire, on aura des X, Y et Z, c'est-à-dire une forme de cube. Et je leur ai expliqué que ça veut dire que on aura dans une liste des tableaux. Parce que quand on y pense, un cube, c'est plusieurs tableaux superposés. Donc là, la troisième dimension, c'est le nombre, la dimension de plus, c'est le nombre de tableaux qu'on aura eu. OK? Donc, je vais vous expliquer ça. Donc, vous voyez ici, on avait déjà nos tableaux de deux dimensions. Et c'est ça qui est deux dimensions. Mais désormais, on va avoir tout ça dans une autre liste. Donc, du coup, si je crée ça, voilà la liste qui est la liste de base. Et on a ça qui est un tableau, ça qui est un tableau, et ça qui est un tableau également. Et quand tu mets trois tableaux superposés par des virgules comme ça, parce que vous verrez qu'on a une virgule après tout ceci, une autre virgule après tout ceci, et une autre virgule après, pas de virgule ici, on a terminé. Donc, du coup, ici, on a des petits tableaux de 2 lignes et 3 colonnes et le tout 3 fois. Donc, quand on veut commencer d'abord par trouver le shape, donc j'exécute, quand on veut trouver le shape, on a combien d'éléments? C'est-à-dire quand on regarde la grosse liste, on a combien d'éléments dans la grosse liste? On a 3, donc d'abord 3. Puis, dans chaque liste, on a combien d'éléments? Dans chaque liste, on a dans chaque liste, on a combien d'éléments? On a 2 listes. Donc, ça fait 2. Et dans chaque sous-liste, on a combien d'éléments? C'est 3. Donc, ça fait, on aura un shape de 3, 2, 3. Je vais répéter pour que vous compreniez. Dans la grande liste, on a combien d'éléments? On a 3 éléments, 3 gros éléments. OK? Puis, dans chaque grosse liste comme ceci, on a combien d'éléments? On a 2 listes. Donc, et dans chaque liste, sous liste, on a combien d'éléments? On a 3 éléments. Donc, du coup, on a 3 fois des tableaux de shape 2, 3. Donc, ça fait 3, 2, 3. Donc, j'exécute. Vous voyez, ça fait 3, 2, 3. Et la dimension ici, c'est quoi? C'est le nombre d'éléments dans le shape. On a 3, on a, 3 éléments. Donc, ça fait n dim, c'est 3. Et le size, c'est quoi? C'est le nombre d'éléments à l'intérieur. Donc, ça fait 3 fois 2 fois 3. Ça fait 6 fois 3, ça fait 18. Voilà. Voilà. Voilà à quoi ressemble un tableau de dimension 3. Donc, j'espère que vous avez compris cette partie. C'est très important de connaître le shape d'un tableau NumPy. Cela vous permettra d'avancer très rapidement plus tard. Donc, dans la suite, en fait, de cette formation, nous allons travailler surtout avec le tableau de dimension 2. Vous vous en doutez qu'on a des données sous format Excel. C'est des lignes et des colonnes, c'est pas des lignes, des colonnes. Et en fait, les tableaux à 3 dimensions, c'est surtout les images. Parce que les images, c'est 3 tableaux superposés, le rouge, le vert et le bleu. Mais ça, on ne le verra pas maintenant, on le verra peut-être dans une autre formation sur le deep learning. Mais pour la suite de cette formation, nous allons travailler surtout avec les tableaux de dimension 2, donc des lignes et des colonnes. Et on va avancer comme ça. Donc du coup, nous allons maintenant voir comment accéder à l'élément d'un tableau. Parce que on sait comment accéder aux éléments d'une liste. On avait vu déjà dans une précédente vidéo sur les listes. Mais comment accéder aux éléments d'un tableau NumPy? C'est-à-dire, je vais accéder à l'élément qui est dans la ligne 4, à la colonne 5. Comment on le fait? Donc, avant d'aller loin, considérons d'abord un truc très simple qu'on connaît déjà, c'est-à-dire les listes. Donc, du coup, je mets une liste simple à l'intérieur d'un NP array pour créer un tableau V. Je peux l'afficher ici pour que vous voyez. J'affiche V. Donc voilà, notre tableau, c'est très simple.
Alors, déjà, c'est quoi le shape? On a une seule liste, donc on a une seule dimension. On a combien d'éléments dans cette dimension? C'est 3, donc ça fait 3 virgule. 3, c'est 3 le shape. Donc du coup, c'est assez clair, je pense. Voilà, c'est 3 le shape. Alors, on veut accéder au premier élément ici. Et on sait que si c'était une liste simple, on aurait pu faire V et on met un crochet 0 pour avoir accès à 1. Mais est-ce que ça marche avec NumPy? Essayons de le découvrir ensemble. Ah, on dirait que ça marche. C'est très intéressant. Ça veut dire que ce qu'on a appris avec les listes, on peut les transposer ici également. Très bien. Et si je fais V-1 pour dire que je vais accéder au 9, comment on le ferait avec une liste? J'exécute. Ça marche également. Donc ça, c'est très intéressant. OK. Et si je veux extraire les 5 et 9? Donc 0, index 0, index 1, de 1 jusqu'à la fin. Donc, je veux extraire 5 et 9. Donc, je fais V1, 2 points jusqu'à la fin. Est-ce que ça va marcher? Ça marche. Ça me retourne un array, en fait. Et là, c'est très intéressant. Donc, du coup, ce qu'on a appris avec les listes peuvent toujours marcher avec cet élément-là. Maintenant, allons une étape un peu plus avancée. Prenons maintenant un tableau de deux dimensions. Parce que là, on avait une seule dimension. Prenons deux dimensions. Un vrai tableau. OK, donc là, c'est une matrice. Alors, je vous pose la question, c'est quoi le shape ici? Le shape, c'est combien de listes on a? On a deux listes, donc ça fait deux lignes, trois colonnes, deux, trois. OK? Donc, ici, on veut extraire le 1 ici. Et pour l'extraire, on va se poser une question très simple. C'est dans quelle liste? Non. Bon, allez, une seconde. Je vais. Voilà. Nous allons aller très simplement, d'accord? D'abord, supposons que je veux extraire la première liste, en fait, qu'il y a dans ma matrice. Essayons de voir si je mets 0, ça va marcher. Oh, très intéressant. Ça me retourne la première liste. Donc, du coup, parce que, bah, bien sûr, dans cette grande liste, on a deux éléments, ça et ça. Maintenant que j'ai cette liste-là, je veux extraire le premier élément de cette liste-là, le 1. Est-ce que je peux faire à côté encore 0? Ça marche. Ça marche. C'est très intéressant. Et donc, du coup, on peut résumer tout ceci en faisant ça. En faisant matrice, au lieu d'avoir deux crochets, on peut faire 0 et 0. Ça marche également. Donc, c'est très intéressant. OK. Donc là, on sait comment extraire les éléments d'un tableau, en fait, de deux dimensions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, matrice 0, 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire première ligne et le troisième élément, parce que c'est, rappelez-vous, c'est l'index, on compte à partir de 0. Donc 2, c'est 0, 1, 2, donc c'est le troisième élément. Donc du coup, le 0, c'est-à-dire première liste, le troisième élément, c'est 9. Donc du coup, si j'exécute ceci, j'aurai 9. Ça marche. Le 1-1, c'est quoi? Ça veut dire deuxième liste, puisque 1, c'est la deuxième liste. 0, c'est la première liste. Et le 1, c'est le deuxième élément de la deuxième liste. Donc du coup, ça fait 6. Exécutons, voir. Intéressant, intéressant. Et n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas, tout ceci, ça équivaut toujours à matrice 1. 1, comme ceci. Donc ça marche. Ça marche. C'est très, très intéressant. Ça, c'est très bien. Donc du coup, on continue. Et si on avait un seul. Deux, toujours deux dimensions. Hein, toujours deux dimensions. Mais une seule liste à l'intérieur. Donc du coup, si je veux extraire le premier élément ici. Donc ça, non, le deuxième élément. Ça me fait 0. Puisque c'est la première liste. C'est la seule liste d'ailleurs. Et 1, c'est l'index en fait de 5 dans la liste qu'on a. Donc 0, 1, ça fait donc 5. C'est parfait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. D'abord, connaître le shape d'un tableau NumPy, la dimension, le size. Puis après, extraire les éléments d'un tableau NumPy, que ce soit de shape 1 ou de shape 2. Et ce qu'on a appris avec les listes nous permet de le faire. Donc ça, c'est important à regarder. Très bien. Maintenant, supposons qu'on veut accéder à des sous-parties d'un tableau, à des sous-tableaux en fait. Donc, je réexécute ce qu'on a là, notre matrice.
Et supposons que je veux extraire, ok, supposons que je veux extraire 5 et 9. C'est un sous-tableau, c'est un sous-élément de tableau. Donc, comme d'habitude, on aurait pu faire d'abord matrice 0, qui nous donne d'abord la liste, la première liste. Et si on veut extraire le 5, 9, ben, on sait le faire pour les listes, c'est-à-dire, il faut faire quoi? Il faut faire de 1, c'est-à-dire à partir du deuxième élément jusqu'à la fin. Et c'est ça, le deuxième élément. Donc, du coup, j'exécute. Et ça marche. Donc, du coup, tout ceci, ça équivaut à quoi? On peut mettre en parenthèse 0 et virgule et 1 jusqu'à la fin. J'exécute. Et on a la même chose. Donc, j'espère que vous comprenez quand même cette manière de faire là, parce que c'est très important de comprendre ceci. C'est très important. Parce que même quand vous allez faire du deep learning plus tard, il faut savoir les shapes de vos matrices, en fait. Et c'est la base. C'est la base. Alors, si je vous pose la question, si je fais matrice 1, 2 points, ici, ça va me donner quoi? OK, on va essayer de le débugger ensemble. 1, ça veut dire la deuxième liste. Parce que 0, la première liste, 1, c'est la deuxième liste. Très bien. Et de 1 jusqu'à la fin, ça veut dire à partir du deuxième élément. Deuxième élément, c'est quoi? C'est 6. Donc, on aura 6 et 7. J'exécute, ça marche, très bien. Ça c'est quoi? 0, 2 points, 1, 2 points, ok. Considérons ceci. Si je considère ceci, ça veut dire que je veux, à partir de la première liste jusqu'à toutes les listes, ça veut dire que je veux tous les éléments, et je veux la colonne, à partir de la deuxième colonne jusqu'à la fin. Donc du coup, ceci, ça va nous extraire le 5, 9 et le 6, 9. Parce qu'il va nous extraire ça dans les deux listes, parce qu'on a dit dans toutes les listes, ça a dit de 0 jusqu'à la fin. Donc j'exécute. Magnifique. Et on aurait pu se passer de ce 0-là et mettre juste 2 points à l'intérieur. Et on aurait eu le tout en même temps. J'espère que vous comprenez toujours ceci. Si vous ne comprenez pas les listes, soyez sûr d'avoir bien compris les listes, parce qu'on a vu un peu ce genre de notation dans les listes. Et je vous ramène dans une vidéo. Par rapport aux listes, je mettrai le lien dans la description. Alors, ça c'est intéressant. C'est quoi cette big matrix? C'est très grand. Alors ici, on a quoi? Ici, on a une matrice de deux dimensions parce qu'on a une grande liste de listes. On a combien d'éléments à l'intérieur? On a 4 listes à l'intérieur. Et chaque liste à l'intérieur a 5 éléments. Donc, on a un shape de 4, 5. Vous voyez comment la réflexion se fait? Donc, du coup, si on vérifie le shape ici, il ne faut pas que je monte. Voilà, on a 4, 5 comme je l'ai dit. Très bien. Donc ici, j'ai pris le soin de mettre un peu les index au départ ici pour que vous puissiez voir. Donc ici, c'est quoi l'index? C'est 0, c'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4. Ici, c'est 0, 1, 2. Donc dans la grande liste, on a l'élément 0, c'est ça, l'élément 1, c'est ça, l'élément 2, c'est ça, l'élément 3, c'est ça. Et dans chaque liste, en fait, l'élément 0, c'est le premier élément et ainsi de suite. Donc, voilà, comme je l'avais dit ici, voilà. Donc, ici, matrice 2, 3, c'est quel élément de cette liste est 2, 3? Je vous laisse le temps de le trouver. Mettez une pause et dites-moi 2, 3, c'est quoi? 2, 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut le troisième élément dans toute la grande liste, donc la troisième ligne. La troisième ligne, alors ça veut dire qu'on est ici. Donc, l'index 2, c'est ça, justement. Et on veut le troisième, on veut non pas le troisième, le quatrième élément, puisqu'on compte à partir de 0. Donc, le quatrième élément de cette liste-là, c'est quoi? C'est-à-dire, vous voyez l'index 3. Donc, 2, 3, c'est ça. Et donc, c'est 6. Si j'exécute, est-ce que je vais l'avoir? Tadam! J'ai les 6. OK, continuons notre exploration de cette big matrix. 1, 2 points et 2, 2 points. OK, très bien. D'abord, c'est les listes. D'abord, donc 1, 2 points, ça veut dire à partir de cette liste-là jusqu'à la fin. Donc, on aura les 3 dernières listes. Donc, les 3 dernières lignes. Très intéressant. Et dans chaque liste, on veut extraire quoi? À partir de l'index 2. L'index 2, c'est ça. Donc, on veut extraire à partir de l'index 2. Donc, on veut extraire en fait cette sous-matrice-là. On va couper là.
Donc on aura 7, 5, 0, 0, 6, 2, 7, 8, 9. Essayons voir. Et c'est ça. Ça a marché. Donc vous voyez, je vous invite vraiment à exécuter ce notebook pour comprendre un peu tout ça. Et tout ça, c'est d'autres exemples. Je ne vais pas vraiment entrer dans les détails. Vous savez désormais comment extraire les éléments d'un sous-tableau. Et ça, c'est très intéressant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un tableau aléatoire. Non, pas aléatoire. Un tableau qui va contenir 9 éléments de size 3-3. Je vais vous montrer un peu. On va voir un peu ce que tout cela veut dire plus tard. Donc, n'hésitez, ne créez rien. Matrice ici, voilà, j'ai changé. Donc, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, matrice 0, 2. Ça veut dire que je veux l'élément 0 et l'élément 1. Parce que le 2, il est exclu. Donc, ça veut dire que je veux ces deux listes-là. Et je veux à partir de l'index 1. L'index 1, c'est ça. Donc, je veux le 1, 2, 4, 5. Ça marche. Et je vous invite à faire celui-ci. Très bien. Là, on a appris beaucoup de choses déjà. C'est très important de les pratiquer plus tard pour mieux les garder. Et maintenant, je vais vous apprendre autre chose. Il y a un truc très intéressant. Regardez ceci. Donc, je reprends la matrice de base 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8. Et puisque avec les listes, on peut modifier les listes, vous vous rappelez, et il suffit de donner l'index de l'élément et on le change. Nous allons essayer de faire la même chose avec un tableau. Donc du coup, 1 moins 1, c'est quoi? 1 moins 1, ça veut dire première, deuxième liste. Et le dernier élément de cette liste-là, c'est quoi? C'est 5. Donc du coup, moins 1. Donc c'est le 5. Et on veut remplacer ça par 9. Donc je mets 9 à l'intérieur. Je mets égal à 9. Et j'affiche. OK, vous voyez, on a 9 ici. On n'a plus 5. On a 9. Très bien. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre une partie, nous allons sélectionner une partie de cette matrice-là et la sauvegarder dans data, ok? Donc, c'est comme si on prenait une partie de la matrice et on la sauvegardait quelque part d'autre. Donc, on veut extraire, par exemple, ce 4, 9, 7, 8, ok? Donc, pour le faire, 4, 9, 7, 8, 4, les deux, c'est les deux dernières listes. Donc, du coup, on va dire à partir de, on va dire à partir de 1. Donc, du coup, si je fais matrice 1 comme ceci, bon, déjà, ça me donne les deux dernières listes. Et si je veux les deux dernières colonnes, ça me fait 1 également, comme ça. Très bien. Mais bon, nous allons pas faire ça. Nous allons prendre plutôt les deux premières. OK? Nous allons prendre les deux premières, c'est-à-dire le 1, 2, 4, 9. Et c'est ça qui est ceci. OK? Donc, je vais l'afficher. OK? Voilà, on a... pardon, plutôt ceci. Voilà, 0, 1, 3, 4. OK? Voilà. Et donc, du coup, je le mets en data. Vous voyez? Donc, on a extrait une partie de la matrice, on a mis dans data. On veut transformer le 0 en 15. Donc, du coup, ce 0, c'est le premier élément. C'est le premier élément de la première liste. Donc, du coup, 0, 0. C'est égal à 15. J'affiche data. Vous voyez, on a 15 ici. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi? On a pris une partie de la matrice et on a modifié cette partie-là. Est-ce que la modification de data doit se refléter dans ce qu'on a au niveau de la matrice? On va vérifier. Donc, affichons la matrice. Et vous voyez, on a le 15 ici. Ça veut dire que, malgré qu'on ait pris juste une copie, on a pris une partie, en fait, de la matrice, toutes les modifications qu'on a faites à cette modification-là se reflètent, en fait, toutes les modifications qu'on a faites, en fait, à cette matrice, à cette petite coupure-là, se reflètent dans la grande matrice. Donc, attention, du coup, quand on fait ce genre de copie, il faut faire très attention parce qu'on est en train de modifier la matrice, en fait. Et si nous, on voulait juste faire, en fait, une copie simple, et tout ce qu'on veut travailler avec, faire des modifications sans affecter la grande matrice. OK? Donc, dans ce cas, il faut utiliser la fonction copy. Donc, vous allez voir ici, matrice. Matrice, c'est toujours égal à ceci. Donc, on a le 15 désormais, le 9 qui sont là. Maintenant, si je fais copy, point copy, pour extraire le 15, 1, 3, 4. Donc, je vous l'affiche, vous voyez. Donc, désormais, je transforme le 15 en 30. OK? Donc, 0, 0 égale à 30. Et si je fais data, vous voyez, j'aurai 30, en fait, ici, 30, 1, 3, 4, vous voyez. Mais dans matrice, j'aurai toujours 15 parce que j'ai fait une copie. Donc là, ça, c'est intéressant à savoir.
Vous voyez? Donc, quand vous voulez faire des modifications sur une copie et ne pas affecter la matrice de base, il faut faire point copie. Très bien. Maintenant, nous allons voir comment modifier la taille d'un tableau. Parce qu'on peut vouloir modifier la taille d'un tableau. Ça arrive très souvent également. Donc, j'écris une matrice aléatoire de taille 2, 5, donc 2 lignes, 5 colonnes, et qui aura des éléments de 0, entre 0 jusqu'à 100. Donc, pour le faire, c'est quoi? C'est très simple, hein? C'est la fonction random. Donc, np_random.randint, vous mettrez à l'intérieur, en fait, le maximum que vous voulez pour le nombre d'éléments que vous aurez dans votre matrice. Et vous précisez la taille ici, c'est-à-dire le shape. Ouais, 2, 5. Donc, si j'affiche ça, voilà, j'ai une matrice 2, 5, 2 lignes, 5 colonnes. Très bien. Donc, vous pouvez vérifier le shape. C'est très simple. Maintenant, pour modifier en fait ceci, on peut modifier la taille en disant on veut désormais une matrice de taille 5, 2. Et une chose qu'il faut savoir ici, c'est que quand vous voulez changer le shape, il faut que ce shape-là contienne le même nombre d'éléments. Donc, 2, 5, c'est 10 éléments. 5, 2, c'est 10 éléments aussi. Donc, du coup, je fais ça. Point reshape. Et à l'intérieur du reshape, je mets le shape en parenthèse. Vous voyez? Bon, du coup, il a fait quoi? 81, 27, 78, 60, 60, 86, 48, 8. Vous voyez comment ça s'est passé? Maintenant, ceci n'aurait pas marché si le nombre d'éléments, en fait, dans notre reshape n'était pas égal au nombre d'éléments dans la matrice de base. Donc, imaginez que je mette 6 ici. 6 fois 2, c'est 12. Alors qu'ici, on a seulement 10 éléments. Donc, du coup, on aura un problème. Vous voyez? Cannot reshape array of size 10 into shape 6, 2. Donc, voilà comment on modifie la taille d'une matrice. Il faut juste que le nombre d'éléments dans le reshape soit égal au nombre d'éléments dans la matrice de base. Donc, du coup, typiquement, quand je crée une matrice, par exemple, U, dans le shape, c'est également, si c'est 3, 3, 3, c'est une seule dimension. Voilà, on a trois éléments à l'intérieur. Donc, je peux le reshape en disant, OK, transforme-moi tout ça en un tableau avec une seule ligne. Donc, on aura 1, 3. Donc, si je dis 1, 3, comme ceci, regardez, du coup, j'aurai ceci, vous voyez. J'ai le tout dans une liste, OK. Et j'aurais pu faire 3, 1. Ça veut dire que j'aurais trois listes et un élément dans chaque liste. Donc, trois lignes, une colonne, regardez. Vous voyez, 1, 5 et 6. Et si j'essaie de faire 2, 3, ça ne marchera pas parce que ça fait 6 éléments alors qu'on a 3 éléments de base. Regardez, voilà, on a une erreur parce qu'on a 16, 3, on ne peut pas le transformer en shape 2, 3. Très bien, on évolue avec NumPy, on évolue. Maintenant, nous allons voir comment concatener des tableaux NumPy. Ça, c'est également quelque chose de très intéressant qu'on va voir ensemble. Alors, vous vous rappelez de U, on vient de créer U en haut ici, 1, 5, 9. Et supposons que je crée un tableau V avec 7, 8, 9. Donc du coup, on a un shape de 3 ici et un shape de 3 ici également. Et je veux utiliser ces deux-là et les mettre en fait, je vais transformer ça en UV. C'est-à-dire on aura U en haut comme ceci, on aura U et on aura V en bas. Donc du coup, U sera la ligne, première ligne et V sera la deuxième ligne. Donc du coup, ça, c'est ça veut dire on veut faire un stack vertical. C'est vertical, ok? Donc du coup, on utilise npvstack et on met à l'intérieur une liste de matrices qu'on a. Donc vstack uv, je mets ça dans, je crée une variable table et je l'exécute. Vous voyez, donc on a stacké les deux. Donc on a u qui est ici, et on a v qui est ici et le tout dans une liste. Vous voyez, c'est ça. Donc là, on a fait un vstack. Vous voyez? Donc, si je fais le shape, je montre le shape ici, vous verrez que c'est égal à 2, 3. 2 lignes, 3 colonnes. Mais on peut faire également un hashtag. Un hashtag, c'est un stack horizontal, donc horizontal comme ceci. OK? Vous voyez? Donc, du coup, on aura U et on aura V à côté. Donc, du coup, là, on aura quoi? On aura ceci à côté de ceci. Donc, on aura un shape qui aura 6 colonnes. OK? 6 colonnes, je pense. OK? Donc, vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on a 6 colonnes. Donc, ceci, son shape, c'est quoi? Son shape, c'est 6, simplement. Parce qu'on a fait un stack horizontal. Donc, voilà un peu... Donc, si je prends, par exemple, ce tableau A, qui est de shape 3, je peux le reshape en 1, 3, pour que ce soit une ligne, 3 colonnes. OK? Voilà. Donc, une liste, une liste.
Je peux faire un VStack des deux. Je veux un VStack de A lui-même. Donc, du coup, j'aurai 5, 9, 25, 5, 9, 25 de façon verticale. Voilà. Je peux le faire également de façon horizontale, comme on l'a déjà vu. Vous voyez. Et je peux même faire, je peux vérifier le shape ici. On verra quoi. Ce sera 1, 6. C'est très simple. On a déjà vu les shapes et autres. Donc, ce qui est bien que les tableaux n'ont pas, en fait, le fait de calculer tout ça, de mettre d'avoir des tableaux de deux dimensions, c'est de pouvoir faire des calculs sur ces tableaux-là. Et les calculs sont très intéressants. Et je vous disais au départ que NumPy est créé en C. Donc C, c'est un langage de programmation qui est très très proche du CPU. Et donc du coup, il est très rapide en fait. Le code qui est écrit en C, il est beaucoup plus rapide. Python lui-même, il est écrit en C. Python de base, lui-même, il est écrit en C. Je pense que c'est Cython, une combinaison de C et de Python. Mais NumPy, il est écrit en pur C et on a après juste une interface Python en haut. Donc, vous allez voir comment NumPy est beaucoup plus rapide comparé aux listes Python. Je vous donne un exemple. Avec range de 2 à 9, j'aurai une liste de 0, une liste de 2 jusqu'à 8, parce que le dernier il est exclu. Voilà. OK. Vous voyez, donc j'ai 2 jusqu'à 8. Donc, j'exécute, je mets tout ça dans le nombre. Très bien. Donc, je vais créer une matrice output, une matrice vide, une matrice vide qui aura, ou bien un vecteur vide, si vous voulez, un tableau vide, qui aura la même taille que nombre. Donc, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je ne sais plus trop combien ça fait, mais bon, allons-y quand même. Le output sera vide. Et à l'intérieur, je pense que pour le moment, on aura des trucs aléatoires à l'intérieur. Voilà, c'est aléatoire, vous voyez. C'est aléatoire. Donc, mais supposons que c'est vide. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va faire, on va parcourir cette liste-là. Et à chaque fois, on va faire 1 sur n. Donc, on est à 2. On fera 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur jusqu'à. Et à chaque fois, on va mettre ça à l'intérieur, en fait, de output. OK? Donc, on parcourt, on fait for i, n in enumerate. Non, puisque ça, c'est une liste. Et output index i, comme ceci, se régale à 1 sur n. Et après, j'affiche le output. Vous voyez, donc du coup, ici, on a quoi? 0,5, c'est quoi? C'est 1 sur 2. Ceci, c'est 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur 6, et ainsi de suite. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'avec NumPy, au lieu de faire cette boucle, en fait, avec NumPy, si ceci, notre nombre, c'était en fait un tableau NumPy, on aurait pu faire simplement 1 sur nombre et avoir tous les résultats. C'est là que NumPy est intéressant, en fait. Donc, du coup, si je fais... Je mets np array, je mets le nombre en fait dans un tableau NumPy, nombre table. Vous voyez, je peux simplement faire 1 sur nombre table et me fera 1 sur chaque élément, me le retourner dans une liste. Regardez, vous voyez, donc j'ai en une ligne ce qu'on a eu à faire ici en 2-3 lignes. Vous voyez, et c'est non seulement intéressant, plus rapide en termes de code. Mais c'est vraiment rapide en termes de temps d'exécution. Regardez, si j'importe la librairie time qui permet de calculer le temps d'exécution en fait d'un code. Regardez ici, je prends une liste de nombres de 2 jusqu'à 10 millions. OK? Et je crée un output également. Et donc du coup, j'ai mis début ici qui est time. Donc j'aurai le temps de début. Et je fais la même opération qu'on a faite, c'est-à-dire je parcours la liste et je fais 1 sur n et je le stocke en fait dans une autre liste output ici. Et ça, c'est la fin. J'affiche le temps que ça a pris. OK? Donc, on va exécuter. Donc, ça roule. Vous voyez? C'est en train de faire. Voilà. Ça a pris quoi? Ça a pris 2,62 secondes. OK? 2,62 secondes. Maintenant, on va faire la même chose. Mais maintenant, cette fois-ci, on va le faire avec NumPy. Vous voyez? Donc, du coup, j'ai fait 1 sur np arrange de 2 jusqu'à 10 millions. Et on calcule le temps également. OK? Donc, regardez. Ça a pris 0,11 secondes. 0, même pas une seconde, 0,11 secondes, alors que ceci a pris 2,62 secondes. Vous voyez la différence? Et ça, c'est 2 à 10 millions. Imaginez si on avait fait 2 jusqu'à 1 milliard, l'écart serait encore beaucoup plus grand. Donc, c'est pour ça que utiliser NumPy, au lieu de faire des boucles comme ceci, c'est très intéressant. Et nous allons voir justement la vectorisation maintenant. La vectorisation qui est... utiliser en fait cette capacité de NumPy à faire les résultats en fait sur chaque élément de tableau automatiquement sans qu'on ait à faire une boucle en fait parcourir la liste.
Donc voilà, j'ai une liste ici, par exemple, une liste 5, 8, 9. Je veux calculer, en fait, je veux mettre le double de chaque, non, le carré de chaque élément dans une liste. Donc du coup, je fais n au carré pour n dans L. C'est ce qu'on appelle une list comprehension. Donc on peut faire un truc pareil, créer une liste et dire n au carré pour for n in L. Bon, ça équivaut bien sûr à faire un truc comme ceci. Ça équivaut à faire un truc du genre créer une liste vide. Voilà, on peut ça équivaut à créer une liste vide. Bon, d'abord, je vais l'exécuter. OK? Voilà. Donc, on a 5 au carré 25, 8 au carré 64, 9 au carré 81. Donc, ça équivaut à créer une liste vide comme ceci et faire for n in, dans L, alors vide, point, append, n au carré. OK? Ça équivaut à la même chose. Hein. Donc, et j'affiche vide ici. Vous voyez? Donc, au lieu de faire tout ceci, on peut le faire simplement avec une list comprehension. Ça, c'est la list comprehension. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est quoi? Au lieu de faire ceci et de parcourir, en fait, faire une boucle, en fait, avec NumPy, si tu fais L fois 2, NumPy, en fait, c'est un tableau NumPy, tu peux le faire au carré simplement et il te donne le résultat. Donc, du coup, je mets le tout dans un NumPy array et je fais au carré. OK? Vous voyez ça? Et j'ai le résultat automatiquement. Et je peux faire le tout plus 1,5. Donc, du coup, j'aurai quoi? J'aurai 5 plus 1,5, 6,5 et ainsi de suite. Regardez. Donc, NumPy, en fait, l'ajoute à chaque élément. Au lieu d'avoir parcouru la liste et ajouter 1,5 à chaque élément, je peux le faire de façon vectorielle directement. NumPy l'applique automatiquement. Et ça, c'est une force de NumPy. Et puisque c'est rapide également, ça nous permet de faire les choses très, très rapidement. Alors, et tout ça, c'est la base de, c'est également la base de deep learning, hein. Tout ce qui est PyTorch, TensorFlow, c'est les mêmes opérations qui sont faites derrière pour aller beaucoup plus vite. Jusque, ils peuvent faire ces opérations sur du GPU et pouvoir aller encore beaucoup plus rapidement. Mais NumPy, c'est uniquement sur le CPU. Donc, du coup, on peut faire des agrégations avec NumPy également. Donc, si j'ai un tableau, je peux vouloir faire la moyenne des sommes. Les sommes de chaque liste, de chaque colonne, la médiane et autres. Donc, c'est possible avec NumPy. Donc, si je crée L, avec Python, on peut le faire déjà. Donc, j'ai une liste Python, je peux faire min de L comme ceci. OK? Mais je peux le faire avec NumPy également en faisant np.min L. OK? C'est 5. Ça, c'est le minimum, hein? Min, minimum. Donc, je peux le transformer en NumPy également et faire .min. OK? Voilà, on a toujours le même résultat. Très bien. Donc ici, je vais créer un tableau dont le nombre d'éléments, d'abord le size c'est 5 lignes, 3 colonnes, et le maximum c'est 15, c'est-à-dire on aura des éléments à l'intérieur, le maximum ce sera 15. Donc du coup, table, voilà, ok? Voilà, table. Maintenant, est-ce qu'on peut toujours faire min table? Parce que min, c'est une fonction native de Python. Et on aurait pu faire ça sur une liste, mais est-ce qu'on peut le faire sur un tableau? NumPy. Tu fais ça, ça ne marche pas. Vous voyez, ça ne marche pas. Et là, il faut utiliser NumPy pour le faire. On peut le faire en faisant np.min et on met à l'intérieur tab comme ceci. Donc, on aura le minimum en fait de tout ça, c'est 0, vous voyez. Ou on peut faire tab.min directement, c'est-à-dire appliquer la fonction directement à la variable, que la variable soit l'entrée de la fonction min. OK? Donc, on fait comme ça, tab.min. On a parlé des fonctions, on a parlé de l'orienter objet dans les précédentes vidéos. Je vous invite à aller les voir. Donc, vous voyez un peu. Maintenant, je vais réafficher tab ici. Au lieu de chercher le minimum, en fait, de toute la liste, supposons que moi, je veux trouver le minimum de chaque colonne. Donc, par exemple, la colonne, cette colonne-là, le minimum de cette colonne et le minimum de cette colonne-là. OK? Donc, pour le faire, il faut toujours faire, on a toujours np min tab. Mais on a l'argument axis égale à 0. Et pour le comprendre, c'est-à-dire, ici, axis égale à 0, c'est quand le résultat sera une ligne. Et axis égale à 1, c'est quand le résultat sera une colonne. Ici, par exemple, si on cherche le minimum de chaque colonne, le résultat sera une ligne en bas ici, n'est-ce pas? Et on aura, par exemple, ici, quoi? On aura 3, qui est le minimum. Ici, le minimum, c'est 2, et ici, le minimum, c'est 0. Et ce sera une ligne. Donc, axis égale à 0 pour avoir le minimum de chaque colonne. Si on voulait avoir le minimum de chaque ligne, le résultat sera quoi? Ce sera une colonne ici à côté. On aura ici 0, on aura ici 3 également, ici 2 et ici 6. Donc,
Donc le résultat sera une colonne, donc c'est 1. Vous voyez, 1 également, c'est vertical, c'est une colonne. Donc A6 égale à 1, quand vous faites le minimum de chaque ligne, et le résultat c'est une colonne, donc c'est 1. Donc si je fais ça, min tab égale à 0, vous voyez, on a 3 qui est là, on a 2 ici, et on a 0 ici. Et voilà le résultat. Si je fais la même chose ici, min tab axis égale à 1, vous voyez, ça c'est 0 ici, ici c'est 3, ici c'est 3, ici c'est 2, ici c'est 6, comme je vous l'ai dit. Maintenant, ce n'est pas seulement le minimum qu'on a, on peut faire le maximum également. Donc par exemple, la moyenne de chaque ligne, la moyenne de chaque ligne, donc le résultat sera une colonne, donc axis égale à 1. Donc np min tab axis égale à 1, j'exécute, voilà, axis égale à 0 aussi, pour, voilà, la somme par exemple, la somme de chaque ligne, non, la somme de chaque colonne, donc le résultat sera une ligne, donc ça fait axis égale à 0, donc np somme, axis égale à 0, vous voyez, et on a 34, 33, la somme, ça c'est la somme de tous les éléments ici, et les éléments ici également. Maintenant, je vais vous montrer un cas d'analyse de données pour vous montrer un peu pourquoi non pas il est déjà intéressant avec ce qu'on a déjà appris. Donc, je vais créer en fait un tableau de notes, de size 10, 3. Donc, on a 10 lignes et 3 colonnes. Et chaque ligne représente en fait un étudiant. Et ce sont ces notes, en fait. La première note, c'est la mathématique. La deuxième, c'est la physique. La troisième, c'est la biologie. Donc, le maximum, c'était 19. Personne ne pourrait avoir plus de 19. OK? De 0 jusqu'à 19. Donc, voilà, un peu, on a une donnée. OK? On a des données. 10 étudiants et leur note en mathématiques, physique et biologie. Donc, le shape, bien sûr, c'est ça. Et donc, du coup, voilà, 10, 3, c'est ce que j'ai mis ici. Donc, du coup, on se pose la question, quelle est la moyenne de chaque matière? La moyenne de chaque matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça, c'est les matières, c'est les colonnes des matières. Donc, ça, c'est mathématiques, ça, c'est physique, ça, c'est SVT, biologie. Si on calcule la moyenne de chaque matière, ça veut dire, on veut faire np min sur chaque colonne. Donc, le résultat sera une ligne. Donc, A6 égale à 0. Donc, on aura np min, ou bien np min note, A6 égale à 0. On peut faire également note.min en même temps, A6 égale à 0. Les deux notations sont égales. Donc, si on fait ça, vous voyez, 10,9, c'est la moyenne des notes en mathématiques. 8,3, c'est la moyenne des notes en physique. Et 6,4, c'est la moyenne des notes en biologie. Vous voyez un peu. Maintenant, on dit quelle est la moyenne par étudiant. Si vous calculez la moyenne par étudiant, ça veut dire que c'est la moyenne de chaque liste. Ce sera une colonne, donc ce sera axis égal à 1. Donc np min axis égal à 1. Donc voilà ici, np min note axis égal à 1, moyenne par étudiant. Vous voyez, c'est très intéressant. Ça c'est toujours la vectorisation, la capacité de NumPy à faire les choses sur chaque élément. Maintenant on dit quels étudiants ont une note supérieure à 10. Quels étudiants ont une note supérieure à 10? Donc là on va mettre une condition peut-être. Et ce qui est intéressant, au lieu de vérifier, par exemple, voilà, ceci, on a les moyennes déjà de chaque étudiant. Donc, au lieu de parcourir ce tableau un à un pour dire, OK, est-ce que lui-là est supérieur? Est-ce que lui-là est supérieur? Sa moyenne est supérieure à 10? Est-ce que lui-là est supérieur à 10? Est-ce que lui-là est supérieur à 10? On peut simplement faire moyenne per student, le tout, supérieur à 10. On aura des true là où c'est true, des false là où c'est false. Regardez. Vous voyez? Donc, lui, c'est false. Lui, sa moyenne est supérieure à 10. Donc, c'est true. Ici, c'est false. Vous voyez, on a des true, false, là où ça ne l'est pas. Et ce qui va être intéressant à ce niveau, je vais vous montrer quelque chose. Si on fait la somme de ceci, non, est-ce que c'est ce que je vais vous montrer? Non, je vais d'abord vous montrer ceci. On monte. Très bien. Donc, si je veux combien d'étudiants ont une note supérieure égale à 10? Ici, c'est combien d'éléments, je voulais dire. Combien d'étudiants, voilà, ont une note supérieure égale à 10? Donc, pour savoir combien d'étudiants ont une note supérieure à 10, on veut savoir le nombre de true également ici, en fait. Donc, ça veut dire 1, 2, 3 et 4. Et pour le faire, on aurait pu simplement faire, en fait, en Python, false c'est 0, true c'est 1. Donc, du coup, si on fait la somme, en fait, on aurait 4. Et c'est le nombre de true. Donc, si on fait np somme de ceci, qui est égal à ceci également, vous voyez, np somme de moins np étudiant supérieur égal à 10, c'est égal à 4. Donc, du coup, on a 4 étudiants qui ont une note supérieure égale à 10. Et donc, c'est ce que je voulais vous montrer ici, en fait. Np somme de 0, 1, 2, 0, 1, 1, 0, c'est égal à 2.
Ça nous donne le nombre d'éléments non nuls en fait. Vous voyez, si on fait la même chose, 0 false, 1 true, true, on aura également 2 aussi. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc on a 4 étudiants qui ont notre supérieur égal à 10. Okay? Donc voilà une analyse simple qu'on a faite sur ces données-là. Dans cette vidéo, on a vu beaucoup de choses, vous voyez tout ce qu'on a vu ici. Je vous invite vraiment à prendre ce notebook et revoir tout ce qu'on a fait en fait. Les shapes, les sizes, vous poser des questions. Quand vous ouvrez le notebook, venez ici sur modifier et supprimez tous les éléments de sortie. Comme ça, vous n'avez pas les réponses à la base et vous pouvez commencer à les exécuter vous-même. Dans la prochaine vidéo sur NumPy, nous verrons le concept de broadcasting. Et c'est un concept de base en NumPy qu'il faut comprendre. Je vous l'expliquerai plus tard dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, que vous avez appris beaucoup de choses. Elle est un peu longue, mais on a vu en peu de temps quand même presque tout ce qu'il faut savoir sur NumPy. Et ça, c'est le minimum, le strict minimum qu'il faut savoir avant de passer à Panda, Matplotlib et autres. On verra le broadcasting dans la prochaine vidéo et on pourra commencer à faire de l'analyse de données avec Panda, qui est la librairie par excellence en fait pour manipuler des données. Alors d'ici là, prenez soin de vous, likez la vidéo, partagez-la avec des personnes qui seraient intéressées également. Et ciao, ciao.